Bonsoir. Une petite lecture de mon ouvrage Le crépuscule des bureaucrates, chronique de la fin de l'Union européenne. J'ai en effet imaginé, sous la forme d'un roman, que l'Union européenne, à cause de la bureaucratie, allait s'effondrer. C'est peut-être ce qui va se passer sous nos yeux d'ailleurs dans les mois qui viennent. Ici quelques extraits, un extrait sur le dernier Conseil européen. Le Conseil de la dernière chance, ils s'appellent tous d'ailleurs, Conseil de la dernière chance. Le balai de ceux qui se pensent importants. Le bruit des gyrophares sortirent Frédéric de ses pensées et il se mit en route pour aller suivre, depuis les coulisses, ce Conseil européen de la dernière chance. Son ami Franz lui avait donné un badge d'accès au backstage et permis d'être ainsi aux premières loges pour voir de ses yeux ce qui risquait fort de marquer l'effondrement définitif de l'Union européenne. Les limousines arrivaient donc une à une, selon un ordre protocolaire et alphabétique assez obscur, mais conforme à l'ego des États et de leurs dirigeants. Les petits pays ouvraient le bal et les grands le fermaient. La chancelière allemande arrivait toujours en dernier, comme pour signifier le poids et la prédominance de son pays, que l'on acceptait depuis longtemps comme un fait accompli. Juste avant elle, c'était le président français qui était apparu en lançant des regards furtifs pour vérifier si la presse était bien là, et il avait semblé fort déçu de ne voir aucun journaliste à sa descente de voiture. Franz Duttmann était ce jour-là en charge du service du protocole pour accueillir le président du Parlement européen, le premier ministre du Luxembourg, et aussi accueillir la chancelière, sa compatriote.